Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Star Citizen. Alors, un petit disclaimer avant toute chose, particulièrement pour cette série de vidéos, je tiens à préciser que Star Citizen est toujours en alpha. Tout ce que je vais dire ici est susceptible de changer à tout moment. Le contenu que je vais présenter peut être reporté, modifié, voire supprimé. Il est également possible que du contenu soit ajouté et que je n'en parle donc pas ici. Cette vidéo est la suite de ma précédente vidéo, je vous invite à aller la voir évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de les voir dans l'ordre de parution pour comprendre de quoi je parle, elles sont toutes bien séparées. Celle-ci sera consacrée uniquement au gameplay. Alors, pourquoi uniquement au gameplay, vous allez me dire? Bah tout simplement parce qu'il regroupe environ un tiers des ajouts prévus par la roadmap. Et vous allez voir que ça fait déjà un paquet de contenu, on va en avoir pour largement une vidéo juste à parler de ça. Et donc, on va faire comme pour la précédente vidéo, on va parler de toutes les améliorations, une mise à jour à la fois. Faites-vous un thé, installez-vous, il va falloir rester concentré. On commence donc avec la 3.5 qui arrive à la fin du mois, donc on est en mars quand je fais la vidéo. La première chose que je note, c'est que sur les 14 entrées prévues, ici, vous voyez, il y a seulement 3 qui sont indiquées complètes et 11 qui sont en développement. Alors, ne nous alarmons pas, la dernière mise à jour date du 8 mars, on le voit ici, et en développement, ça ne nous donne pas l'état d'avancement réel. Hein. Ça pourrait très bien être en attente de validation des boss de CIG, et ça serait quand même en développement. Pour information, la semaine dernière, une seule était taguée complète, là on est à 3, donc ça avance. Donc, commençons avec le système de chaleur. Alors, ça regroupe beaucoup de choses. Ils veulent améliorer le système existant pour que les objets et les véhicules réagissent similairement aux effets de surchauffe. Ils veulent aussi intégrer des problèmes sur les vaisseaux en fonction de quels composants surchauffent. Ils sont en train d'intégrer des problèmes. C'est quand même un développement spécial. Hein. Ils veulent incorporer des valeurs de chaleur différentes d'une pièce à l'autre. Et on peut imaginer que sur les très gros vaisseaux, cela pourra affecter l'endroit touché par un missile thermoguidé, par exemple. Donc si vous avez une pièce très chaude, ça va plutôt toucher cette partie du vaisseau. Et enfin, il parle de définir la chaleur ambiante des systèmes solaires. Alors évidemment, pour le moment, il n'y en a qu'un. Mais ça aura déjà une influence, au moins, sur les signatures thermiques. Encore une fois, pour le thermoguidage, hein, évidemment. Ensuite, ils veulent ajouter des nouvelles missions environnementales, dans lesquelles des chasseurs de primes, dirigés par l'intelligence artificielle, attaqueront les joueurs qui portent des primes sur eux, ou alors les forces de sécurité attaqueront les joueurs qui ont un crime strat trop élevé. Fini les beaux jours du crime impuni. D'ailleurs, en parlant des nouvelles missions, il y aura un petit peu plus bas, là on l'a ici. Donc ça c'est une nouvelle mission également, une toute neuve, où une balise vous préviendra qu'un vaisseau PNJ a besoin d'une assistance au combat. Donc ça sera que du combat, mais voilà, ça vous dira attention, appel à l'aide, et les balises, ça sera comme pour les balises que vous pouvez faire vous-même en tant que joueur, j'imagine. Plus bas, alors attendez, non, avant de parler de plus bas, c'était déjà ça, plus bas, on va parler donc de du véhicule, l'interface concernant les scans. Une technologie sur laquelle il travaillait beaucoup ces derniers temps. Il travaille encore beaucoup à l'avant, enfin dans l'avenir, vous allez voir qu'ils en parlent plusieurs fois. Il y aura entre autres un niveau de confiance accordé aux objets récemment identifiés. Pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi il s'agit, dans certains milieux tels que le renseignement, on attribue toujours un niveau de confiance à chaque information. Plus il est élevé, plus on pense que l'information est vraie. Si votre scan vous indique qu'il y a un vaisseau Vandoul de taille Javelin, avec seulement 10% de confiance, il vaut peut-être mieux vérifier l'information avant d'alerter toute la fédération d'une attaque ennemie. Après, vous prenez vos responsabilités. Donc, hop là, on ressaut de cette mission, et on arrive de nouveau au système de scan. Ah, on n'est pas encore dessus, voilà, c'est là. Au système de scan, avec plusieurs améliorations de l'expérience utilisateur. Alors, vous n'avez pas vu, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts, c'est important. Parce qu'en fait, ça veut tout et rien dire. Donc, il nous donne comme exemple de pouvoir créer des fausses signatures ou de régler la distance à laquelle on veut recevoir les infos des scans. C'est assez utile si la zone est surchargée d'informations. On revient un tout petit peu en haut et on va parler maintenant
toujours dans les perceptions, du radar. Il devrait être possible d'acheter des améliorations de radar pour rajouter des fonctionnalités. On n'a pas encore plus d'infos, mais on peut imaginer que l'affichage des métaux pour les mineurs, par exemple, ou la colorisation des vaisseaux comportant une prime pour les bounty hunters, sont des idées possibles d'amélioration de radar. On n'a pas d'infos. Les radars pourront également être affectés par l'environnement, ce qui pourrait perturber leur efficacité. On imagine facilement que voler dans une tempête électrostatique, ça pourra causer quelques désagréments. Alors, on passe maintenant au Quantum Travel. Parce que, on passe rapidement dessus parce qu'il ne donne pas trop d'infos. Mais au menu, on a interface utilisateur, interaction, et meilleur saut elliptique. Vous savez, les sauts elliptiques, c'est quand vous contournez des planètes, mais en Quantum Travel assez court. Si vous avez des infos fiables sur ce point, n'hésitez pas à les partager en commentaire, parce que moi j'en sais pas beaucoup plus que ce qui est marqué ici. Alors, je vais parler maintenant, on a parlé de la surchauffe, on va parler de la dégradation des composants. Donc, les composants perdront désormais en performance lorsqu'ils s'abîmeront ou qu'ils s'useront. On n'est pas encore au stade d'avoir des saboteurs infiltrés pour faire tomber les boucliers depuis l'intérieur du vaisseau, mais on y arrive petit à petit. Ils en ont profité pour réajuster l'overclocking qui usera des composants, les composants drastiquement plus vite. Donc maintenant, faites gaffe, l'overclocking, c'est plus je le mets tout le temps parce que YOLO. Voilà, pour gagner un peu de temps, on va passer rapidement sur les 4 prochaines améliorations qui vont simplement améliorer les systèmes et ou les performances actuelles pour donc les véhicules. Véhicule tech upgrade update, hein. Les systèmes de groupe, la VOIP et la FOIP, donc pour le vocal et le tracking de votre visage, et enfin les armes à distorsion, peut-être leurs dégâts, mais surtout leurs effets. Encore une fois, c'est lié aux composants et à la perte des composants, etc. Si les composants surchauffent et qu'ils tombent en panne, c'est pareil que la distorsion, ça fait tomber en panne. Voilà, il nous reste 2 nouveautés dans le gameplay avant qu'on ait fait le tour uniquement pour cette version. Premièrement, l'implémentation des tourelles rotatives automatiques. Ça y est, vous pourrez piloter un Hammerhead seul et il sera tout de même destructeur. Donc ça, c'est une grosse mise à jour, ça veut dire qu'on peut avoir des tourelles dans son vaisseau et qu'elles soient quand même utiles. Ce qui pour le moment n'est pas vraiment le cas. Et deuxièmement, les missions de livraison seront également étendues à Arcorp et à CRS Top. Pour aller avec le fait que Arcorp débarque. Donc ça, c'est assez logique. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je fais une vidéo dédiée, parce que là, on a vu qu'une seule des mises à jour, il en reste 3. Alors, voyons ce qu'il y aura en 3.6, c'est-à-dire fin juin. Donc une nouveauté qui va plaire à tous les joueurs de FPS, le système de points d'attache sur les armes. On pourra mettre des grips, des lunettes, pourquoi pas des lampes. Et tout ceci sera fait en temps réel, ce qui veut dire que si vous avez l'équipement sur vous ou que vous le trouvez à terre, vous pourrez même le changer pendant la bataille. Gros coup dur pour les pirates et les contrebandiers. Voilà, je suis passé en mode émission de radio. Les forces de sécurité commenceront à rechercher les marchandises illicites ou volées. Et interviendront s'ils en trouvent. On peut imaginer que c'est uniquement en vaisseau pour le moment, mais rien n'est sûr, puisque vous ne pouvez pas sortir d'armes, et donc vous ne pouvez pas vous défendre en zone d'armistice. Mais les réponses peuvent être différentes. Les marchands feront eux aussi la différence entre les biens légaux, illégaux ou volés. Ensuite, on a le Cheap Rentals. Alors, grande nouvelle pour les joueurs qui passent moins de 25 heures par jour à jouer. À partir de ce patch, les vaisseaux devraient être louables. Actuellement, si vous n'êtes pas millionnaire et que vous voulez tester des nouveaux vaisseaux dans l'univers persistant, parce que tester le métier de marchand ou de mineur en Arena Commander, c'est pas top, vous pouvez seulement acheter les vaisseaux qui sont en jeu. Quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez les acheter, mais le prix est compris entre énorme et exorbitant, atteignant jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'UEC. Donc, bon... Là, vu qu'ils seront louables, on peut imaginer qu'ils seront beaucoup moins chers, mais vous les aurez que pour un temps réduit. Mais pour tester, c'est très bien. Alors, Player Free Look. Donc ensuite, on va parler du Free Look qui, quand on est à pied,
on peut déjà utiliser la caméra orbitale, alors je suppose qu'il parle ici des systèmes différents, ça doit être le même système que celui qui est implémenté dans les cockpits des vaisseaux. Bon, bah, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, voilà, sachez que ça va exister. On passe rapidement dessus pour atterrir sur l'amélioration des ragdolls. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est cette technologie qui permet de contrôler un corps qui ne pose aucune résistance, typiquement un cadavre. C'est grâce à cette tech que vos ennemis dans n'importe quel jeu meurent de manière réaliste. Actuellement, dans Star Citizen, le perso meurt toujours de manière inadéquate, et ils vont donc insérer la première itération dans cette mise à jour, qui permettra d'avoir des morts plus réalistes, en tout cas. Il précise même que ça fonctionnera en 0G. Player Jump V2. Alors, bah, c'est juste une petite amélioration sur les rendus des sauts, qui devra améliorer les perfs en même temps, puisque ça va réduire le nombre d'animations individuelles. Donc ça se prend, voilà. Rien de plus à dire. Alors, la prochaine amélioration pourra causer de nombreux rebondissements en combat. CIG souhaite inclure un système d'enrayement, c'est-à-dire que certains équipements pourraient cesser de fonctionner ou ne pas faire ce qui est attendu d'eux. Ces chances augmenteront en fonction de l'état d'usure du composant. Voilà, et j'ai pas du tout cliqué sur la bonne vignette, c'était celle-ci, c'était le Misfire, pardon. Voilà, donc l'improvement, c'est la version 2 de la dégradation des composants en ajoutant des effets visuels pour que l'on puisse dire à l'œil nu quel est l'état du composant. Donc dans un premier temps, en mars, les composants seront un peu pétés, et en juin, on verra qu'ils sont pétés à l'œil nu. On n'aura pas besoin de passer par les informations dans le vaisseau. Nous avons ensuite la version 2 des items manipulables, ou portables, moi je préfère manipulable comme traduction parce que, voilà, je préfère. Ils veulent améliorer l'immersion l'immersion de la sensation, c'est-à-dire vous sentez mieux le truc, vous avez un meilleur feeling. Augmenter le nombre d'objets déjà portables, en jeu on peut porter quelques objets, ils veulent en mettre plus, et développer un système permettant de tenir de nombreux types d'objets. Donc un système de grip en fait qui permet au personnage de savoir bah tiens c'est tel type d'objet, je le porte de telle façon. Ça c'est assez prometteur aussi. La version 2 également pour les systèmes de transit. L'image nous montre le métro de leur ville, mais sont comptés dans cette catégorie les portes, les sas et surtout les ascenseurs. CIG a un passif avec les ascenseurs, qui ont toujours fait des caprices, espérons que cette version améliorera aussi les temps d'attente dans les ascenseurs de leur ville, qui sont un petit peu longs pour le moment. Alors, ensuite, ils veulent améliorer les missions de chasse à la prime, pour que les PNJ chassés puissent utiliser le Quantum Travel pour fuir les joueurs. On ne sait pas encore s'il faudra obligatoirement un module d'interception pour les arrêter, ou si on pourra les suivre durant leur fuite sans perdre la mission parce qu'ils se sont enfuis tout simplement. Et enfin, pour cet update, chacune des zones pourra être associée à un ensemble de lois et de pénalités graduelles associées. Pour aller avec, des mécaniques de détection et d'intervention seront mises en place pour que les forces de sécurité et les chasseurs de primes puissent intervenir. Voilà qui va pimenter encore un peu plus la vie des hors-la-loi. Là, sur l'image, ça a l'air d'être à l'intérieur des stations. Mais on verra exactement de quoi il s'agit. Les images sont non contractuelles. Pfiouf, on a fini avec la 3.6, plus que 2. Donc, si vous n'avez plus de thé, mettez la vidéo en pause, prenez une double dose, c'est la règle numéro 2. Allez, on se lance sans plus attendre dans ce qui va arriver en 3.7, c'est-à-dire fin septembre. On va essayer d'aller un peu plus vite, surtout que plus on s'éloigne, plus grandes sont les chances que ça change. Mais ne vous inquiétez pas, je n'oublie rien pour autant. On commence avec le ravitaillement en carburant en vol. Certains vaisseaux ont la capacité de récupérer du carburant à partir de l'hydrogène présent en atmosphère. Avec cette mise à jour, les conditions environnementales et le vecteur de vol devraient avoir une influence sur cette régénération. Player Locomotion Stair Improvement.
On a ici une amélioration globale sur les animations dans les escaliers. Que ce soit les PJ ou les PNJ, les personnages devraient avoir des animations différentes s'ils marchent, s'ils courent ou s'ils sprintent, et en fonction de leur angle d'ascension, s'ils prennent l'escalier tout droit ou s'ils le prennent complètement de biais. Dans tous les cas, leurs pieds devraient toucher toutes les marches correctement. Actuellement, le système n'est pas tout à fait au point. Ah, le soin. Un ajout bien plus important qu'il n'y paraît, puisqu'il prépare l'arrivée d'un nouveau métier, celui de médecin, évidemment. A partir de là, vous pourrez soigner les joueurs et les PNJ, notamment à l'aide de Movo MedPen. Ça paraît tout con, mais croyez-moi, c'est important pour l'avenir. FPS Close Combat. Arrive aussi le début possible de l'infiltration avec un système de combat en mêlée. Il sera possible de se battre à main nue ou avec un couteau pour tuer vos cibles discrètement. De belles bagarres de barres en perspective. Death Animation Improvement. Ils vont améliorer encore les animations de mort en utilisant le système de ragdoll développé dans la mise à jour précédente. Play a Swim. Ah, alors, une première itération du système de nage qui sera introduite dans la 3.7. Attention, pas question d'un système ultra basique, en plus des capacités d'entrer, de sortir ou de se noyer dans l'eau, nous aurons des liquides dangereux qui pourront blesser, voire tuer les joueurs ou les autres personnages. Vous pourrez essayer de vous débarrasser d'un ennemi en passant à côté de l'eau et que lui tombe dedans. Alors, Player Status System. Ah, là on attaque du lourd, je vais être obligé de m'étendre un peu. Le système de suivi du statut du personnage. En plus de tout ce que l'on a déjà, comme l'oxygène ou la vie, ce nouveau système inclura la soif, la faim, le repos, l'état d'ébriété, c'est pas une connerie, la température et même l'hygiène. Pouf, ça en fait des valeurs. Alors, on n'est pas du tout sur du hardcore survival là, donc si vous ne mangez pas, vous ne mourrez pas. Par contre, toutes ces valeurs, si elles sont trop basses, appliqueront des debuffs qui réduiront votre endurance ou vos aptitudes. Les PNJ prendront également des décisions en fonction de leurs variables ou de celles des autres. On imagine bien qu'un civil ayant soif ira boire de son propre chef. Mais un militaire en poste dépendra sûrement d'un ravitailleur. Power System V2. Vient ensuite la V2 du système d'énergie. Désormais, les portes, lumières et ascenseurs, en gros les systèmes secondaires, seront connectés à l'énergie du vaisseau. Et une IEM pourra les affecter. Bloqué dans l'ascenseur en pleine bataille, voilà une fin glorieuse. PVP Bounties. Là, je vous avoue que je ne suis pas sûr. La description est fort similaire à l'un des ajouts de la version précédente, mais le titre parle de primes PVP. Je suppose que l'idée est que les forces de sécurité et les marchands pourront mettre des primes récoltables par les joueurs s'ils détectent des marchandises illicites. Mais ce sont des informations à prendre avec des pincettes, puisque, encore une fois, je ne suis vraiment pas sûr de ce dont il s'agit. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez ce qu'il en retourne, si c'est vraiment le texte qui est mauvais, ou s'il y a autre chose de caché derrière. Cockpit Experience Improvement. Le cockpit aura droit à un ravalement de façade, comme régulièrement. Des effets visuels et sonores seront ajoutés pour bien prendre la mesure de l'état du vaisseau et des interactions plus immersives avec le tableau de bord sont promises. Ship to Station Docking. Un système très intéressant mais qui ne nécessite pas énormément de détails à la capacité de s'amarrer à une station. Certains vaisseaux seront trop grands pour se poser et certaines stations trop petites pour les accueillir. Dans ces cas, les vaisseaux pourront s'amarrer tout en restant en 0G. Les joueurs sortiront alors par un sas, souvent latéral. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que CIG pourra nous sortir des vaisseaux encore plus gros. Repair, Restock, Refuel. Casque V1. Bon, on a un petit remaniement d'interface pour le Refuel and Restock. Pas de détails, mais on peut imaginer que les réparations seront peut-être localisables à certains composants. Et enfin, qui fera le plaisir aux rôlistes comme aux simulationnistes, l'arrivée d'un inventaire physique. Tout ce que vous transporterez, vous devrez avoir de la place sur vous pour le porter. Et là, on ne parle pas d'avoir assez de cases d'inventaire, j'ai recommencé le coup des guillemets, mais bien d'avoir la place physiquement sur soi. Actuellement,
vous devez équiper vos medpen et vos chargeurs dans des slots pour pouvoir les utiliser. Ben là, c'est pareil, mais pour pouvoir les transporter. Donc, oubliez l'idée d'acheter 40 chargeurs en avance et de rajouter les chargeurs au fur et à mesure de la bataille en cas de d'accalmie. Bon, on souffle un peu et là, on passe à la 3.8 qui doit sortir à la fin de l'année. Je vous rassure, celle-ci est moins fournie en quantité. Pour le moment, en tout cas, les fêtes de fin d'année ne doivent pas y être pour rien. Allez, on commence avec les missions dynamiques. Avec ça, les différents paramètres des missions, tels que leur lieu ou leur récompense, seront décidés en fonction de vos actions et de l'état actuel de l'univers. Par exemple, dans l'avenir, si vous êtes coursier de l'extrême, on pourra vous demander de livrer une cargaison au milieu d'un champ d'astéroïdes en plein mouvement. Ou si des pirates ont envahi complètement un système, plus de missions de chasse à la prime mieux payées apparaîtront dans ce système pour vous débarrasser des pirates. Ensuite, on a les bottes magnétiques. Ça aussi, ça ne paraît rien, mais c'est super. Vous pourrez choisir d'activer vos bottes en 0G pour marcher sur des surfaces métalliques. Ça veut dire un vaisseau au milieu du néant, mais aussi le dessous d'une plateforme d'atterrissage, les murs de Kovalex, ce genre de choses. C'est une mécanique qui pour moi est indispensable à l'abordage et à l'infiltration, en plus d'être carrément cool. Pour l'anecdote, déjà en 2.3, une touche était bind au MacBoots, mais évidemment, ça n'a jamais fonctionné. Je ne sais pas d'ailleurs si la touche est toujours active et existe toujours dans le map binding. Un autre système assez classe sera le push and pull. Littéralement, pousser et traction, ou pousser et tirer, ça dépend comment vous le comprenez. Lorsque les propulseurs de votre combinaison ne seront pas activés ou que vous n'en aurez pas du tout, vous pourrez utiliser ce système. Il vous permettra tout simplement de vous déplacer le long de votre vaisseau, ou toute autre surface, à l'aide de vos mains. Vous pourrez bien sûr vous propulser vers l'avant ou vers l'arrière, comme le nom l'indique. Encore une amélioration plutôt cool, décidément, le fait de pouvoir sortir des armes depuis les sièges. Évidemment, on n'est plus sur des flingues que sur des lance-roquettes, mais vous pourrez, tout en tenant le volant de votre rover ou le manche de votre vaisseau, dégainer un pistolet et abattre quelqu'un. Je rappelle qu'actuellement, si quelqu'un s'est introduit dans votre vaisseau et vous pose un flingue sur la tempe dans votre siège de pilotage, vous devez attendre plusieurs secondes d'animation pour pouvoir riposter. Après ça, ce sera très Far West. Un système de sécurité sera mis en place. Il contrôlera l'accès à certaines zones ou certains objets en fonction de facteurs tels que votre réputation. Outrepasser vos droits mènera d'abord à un avertissement, puis vous serez défini comme criminel. Ship-to-ship docking. Similaire au système d'amarrage aux stations, on est cette fois sur un système de vaisseau à vaisseau. Ça permettra par exemple à un petit vaisseau de ravitailler un vaisseau capital en nourriture, si c'est en garçon plein, ou encore à transférer des prisonniers sans avoir à les faire sortir en 0G. Encore une amélioration des fonctions de scan, permettant de, par exemple, de trier les résultats ou de régler la force du scan. Bon, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Et enfin, dernière amélioration de cette vidéo, mais pas des moindres, la première itération du salvage, le recyclage arrive enfin. Vous pourrez scanner l'espace infini à la recherche de matériel recyclable, ou tout simplement suivre des amis qui détruisent des pirates, voire des membres de l'UEC. A partir de là, vous pourrez démonter la coque des vaisseaux HS pour en récupérer de la matière première. Une fois récupérée, vous pourrez la vendre dans les kiosques ou l'emmener dans les raffineries que nous avons vues dans ma précédente vidéo. J'ai hâte d'essayer ça, et de vous en faire profiter bien sûr. Et ben voilà, c'est fini. Je vous avais dit que c'était un gros morceau, c'était hyper dense, alors n'hésitez pas à revenir jeter un œil dans quelques jours si vous n'avez pas tout retenu. Vous devez avoir fini de boire votre deuxième thé, j'espère que vous n'êtes pas sur le point de dormir. Voilà, vous avez fait un très bon accueil à ma précédente vidéo dans ce format, qui est différent de ce que je fais habituellement, donc je vous en remercie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.